Aujourd'hui, l'écrit est partout, il a envahi les murs de la ville et il imprègne tous les éléments de notre quotidien. Sous sa forme numérique, l'écrit euh, s'offre à nous comme une sorte de, de, de texte infini, de texte sans rivage, de texte intermittent. Il apparaît, il disparaît, il s'allume, il s'éteint. Est-ce que vous pensez qu'on peut, à ce stade-là de l'évolution de l'histoire de l'écrit, parler d'une véritable révolution ou bien plutôt d'une sorte de mutation, on assisterait ainsi à une énième mutation, métamorphose de cette énergie extraordinaire qu'est l'écriture. D'après vous, qu'est-ce qui se révèle de la nature profonde de l'écriture à travers ces bouleversements qui affectent l'écrit aujourd'hui Effectivement, on peut parler de révolution, mais le terme de mutation est probablement préférable. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans l'époque contemporaine, nous sommes en train de vivre un moment particulièrement intéressant du point de vue de l'histoire de l'écriture, euh, parce que euh, nous sommes confrontés à un phénomène euh, de textualisation de la pratique sociale. Ça veut dire que euh, nous sommes en train de transformer toutes nos activités du quotidien euh, par le biais euh, d'outils, d'ordinateurs et d'avoir accès à, à, ces, euh, à ces activités euh, par le biais d'une pratique qui est textualisée. On prend un téléphone portable, une console de jeu, un ordinateur de bureau, un distributeur automatique, peu importe. Tous ces dispositifs techniques présentent deux particularités essentielles. D'une part, ils sont constitués de textes, les logiciels pour faire très vite, et donc de, de structures constitutives du texte. Et d'autre part, pour y avoir accès, pour que l'homme puisse y avoir accès, accès à la machine, il a, lui, deux activités essentielles. Lecture écriture. Il lit des écrans et il tape sur des claviers ou il pratique une lecture-écriture euh, sur euh, l'ensemble de ces dispositifs. Et donc euh, tous ces dispositifs du quotidien sont en train de textualiser la pratique sociale, qu'il s'agisse de création, de diffusion, euh, d'élaboration diverses variées, de jeux, peu importe. Euh, et donc là, euh, je crois qu'on a quelque chose d'extrêmement important d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire nous sommes en train de vivre une mutation profonde de l'ensemble des activités humaines, dans le monde occidental, sans temps. Il y a quelque temps encore, on, on entendait parler d'une société de l'image, une société complètement dominée par l'image. Je pense que si on regarde les choses sous cet angle-là, sous l'angle de l'histoire de l'écriture, à proprement parler, eh bien il est nécessaire qu'on change de regard, vraiment, et qu'on s'interroge sur ce phénomène euh, qui, nous a, oui, qui est en train de nous entraîner vers une textualisation de l'ensemble de notre vie et de notre vie quotidienne. Donc là, il y a quelque chose de très, très important, me semble-t-il. Donc on peut dire que la première mutation qui affecte aujourd'hui l'écrit, elle est d'abord d'ordre quantitatif. Oui, c'est une mutation quantitative pour l'écriture, euh, mais qui est double et paradoxale. Au niveau macroscopique, l'état actuel des techniques nous permet et les ingénieurs le savent très bien nous permet euh, d'enregistrer d'enregistrer pardon à peu près tout ce qui se produit dans le monde cest à euh, vous écrivez un mail euh, ce mail est enregistré quelque part vous avez une conversation téléphonique cette conversation téléphonique est enregistrée quelque part nous disposons des techniques d'enregistrement et euh, d'indexation de l'ensemble de ces informations et le monde est Occidental est arrivé à un moment où il a une pléthore d'informations de tous les gestes du quotidien. Alors à l'inverse, évidemment, ça veut dire que on a, nous avons potentiellement la possibilité d'avoir accès à tous ces textes, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est euh, le premier temps au niveau macroscopique, c'est-à-dire en fait, euh, nous n'avions pas jusqu'à présent. La pensée possible de l'enregistrement de nos gestes, de nos faits, de, euh, de nos écrits euh, du quotidien, euh, mais c'est désormais possible et pensable. Et puis il y a une autre, une autre dimension qui alors est à l'inverse, qui est au niveau microscopique, qui est liée à la miniaturisation. On peut mettre une quantité incroyable d'informations sur un même support, ce qui était impensable il y a quelques, encore quelques années. Euh, sur une tablette numérique par exemple, on peut avoir à disposition une bibliothèque complète. C'était proprement impensable. Et là, il y a un phénomène d'inversion qui est extrêmement important à comprendre, c'est que là, on a sur le même support une intégration d'un nombre d'informations liées à ce phénomène de euh, miniaturisation de la technique. Euh, et du point de vue de la lecture, du coup, euh, les phénomènes que l'on vient d'évoquer ont pour effet d'entraîner une situation assez étonnante, de démultiplication des zones, des espaces plus exactement. De lecture et donc de possibilités de lecture pour les lecteurs. Donc on multiplie les possibilités de, de, de situations de lecture. L'informatique a, a déployé l'écriture dans tout le corps social, dans toutes les situations, et on, on entre dans une, dans une ère paradoxale, dans une ère de la lecture et de l'écriture. Donc là, on est effectivement dans un mouvement très, très, très profond, lié, me semble-t-il, toujours à l'histoire de l'écriture.